Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Terminator Dark Fate. On se retrouve pour continuer notre petit combat, qui se passait pas trop mal, mais quand même, il y avait sacrément du taf. Du coup, nos deux objectifs, j'aimerais beaucoup essayer de faire cet objectif secondaire, en espérant qu'il nous tire pas dessus, comme j'avais déjà dit. Il y a encore du monde sur le chemin, qu'il va falloir nettoyer, notamment lui avec un espèce de gros canon. Je me demande si c'est pas une espèce de mini canon sans recul, mais c'est un peu bizarre. Ici, on a de l'homoncule de base avec du plasma gun, visiblement. Donc là, je pense qu'on va devoir reculer un petit peu pour laisser la place aux copains. L'objectif, ça va être de pas traverser ça. L'artillerie, à un moment, va se recharger et revenir nous taper dessus. On va essayer de s'en tirer comme ça. Là, on a pas mal de monde qui protège, mais cet endroit est pas du tout safe. J'ai remarqué qu'ici on avait un petit HMTT de ravitaillement qu'on pourrait éventuellement récupérer puis envoyer sur la gauche si possible pour réparer un peu. Ce qui voudrait dire pousser jusque là. Ce qui fait que je suis assez moyennement fan de l'idée. Notre objectif est de sécuriser par là, donc j'ai bien envie d'étaler mes forces par ici pour aller sécuriser cet ensemble de bâtiments là. Peut-être éventuellement tenir ici, mais même pas forcément sûr en vrai. Je sais pas trop encore. On a quand même du monde, hein. On a quand même du monde. Là, on pose un ATGM ici et on est pas mal. Déjà, est-ce que j'avais normalement, j'avais donné des ordres de mouvement. Donc là, par exemple, vous bougez pas. Vous pouvez sortir, vous poser par là. Oula, il y a un petit lag. Qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a de l'artillerie qui tire. Ok. Très très bien. Là on a reculé un peu mais on a réussi à éliminer ça, ici ça avoine. Là faut faire gaffe parce que c'est des mecs avec un mec avec SWO qui se rapproche. Donc faut qu'on essaye de pas rester trop proche si possible. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai même pas fait gaffe, on nous parle. L'équipe carte d'artillerie de roquette demande l'assistance des fondateurs qu'on voit pris en embuscade. D'accord, alors où est-ce que c'est? Alors déjà ici, ah, l'artillerie se remet à nous tirer dessus. Excellent, entre guillemets. Avançons un peu à l'abri des bâtiments du coup. Toi tu vas aller par là-bas, ici on était en train de progresser, c'est plutôt nickel. On y est presque ici, hein, donc je me demande si là d'ailleurs on va pas carrément laisser Saxon se démerder avec ses trucs. Il y a aussi quelque chose que j'ai un peu mis de côté, c'est que quand on rentre dans les véhicules, on peut se recharger sur les munitions internes du véhicule. Et ça, j'avais un peu zappé. Genre là, le transport blindé, il y a largement moyen de remplir nos unités qui sont un petit peu en mal. Donc là, par exemple, eux. Ils ont dû se retaper, donc ils doivent être full, voilà, ils ont fait le plein de SWAT et tout. Du coup, vous... J'ai bien envie de vous envoyer dans un véhicule refaire le plein. Même si, bon, là, le problème, c'est qu'il y a un petit peu le... Bon, ils ont tellement reculé que, de toute façon, ils sont quasiment là. Donc l'artillerie, on se la fera pas tout de suite. Ah d'accord, c'est ici qu'il faut qu'on aille chercher les mecs. Ok, bon bah du coup, raison de plus pour progresser. Là du coup, on n'a pas encore réussi à se les faire. Ok, donc il va falloir sortir du monde et avancer. Sur le côté là. Là, toi t'as pris un peu de dégâts dans ta tourelle. Mais du coup ce qu'on pourrait faire c'est poser. Ouais, c'est pas ouf. Ouh, coucou toi. Ou alors là ils sont plasma pierre là, ils vont être un petit peu comment dire, dans le mal. Ok, alors attendez, niveau portée là, en hit on a quoi? On est à peine assez proche, il faudrait qu'on se pose par là. Là on a le Sherman qui pourrait aller tenter de nettoyer un peu ça. Est-ce qu'on a du taux? On a un taux ici. Pareil, je pense que c'est lui là qui nous allume là, non? Ouais, à mon avis, là, les dégâts qu'on a pris, ça doit être lui qui nous tire dessus. Hein. Là, on a du hit, mais charger un char avec un MV, ça sent l'idée de merde. Ici, on pourrait poser notre tourelle là, elle aura une vision pas dégueulasse sur cette zone. C'est ce qu'on va faire, je pense.
On va même la mettre juste ici. Et toi, du coup, il faudrait que tu poses ta tourelle, genre par là. Cachez-vous dans un sous-sol, condamnez les entrées. Tandis que les équipes de secours arrivent. Très bien. Là, il y a un autre véhicule, c'est quoi? Une Spider. LRM. 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 LRM, canon LRM avec des roquettes. Ah d'accord, ok, c'est les celles. Ah oui, c'est celles qui sont capables d'annihiler l'infanterie avec des gros tirs de roquettes des familles. Là, on a toujours pas réussi à se débarrasser du mec avec le saut, donc je pense que ouais, là il y en a qui est passé là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a peut-être des gens qui se cachaient dedans. D'accord, il y a potentiellement des gens qui pourrait se cacher dans les bâtiments. Et bah allons-y, du coup. Allons-y. Vous courez pour aller vous regrouper dans le Bradley. Vous allez par ici. Là, il tire sur ses propres troupes parce qu'on est dans le bâtiment. Parfait. Donc là, du coup, on a trouvé du monde. C'est pas évident. Là, on a réussi à se faire le temps. Et on a mangé ou pas? On dirait que ça l'a fait. L'ato est là. Le Sherman a tiré un coup. En tout bien, tout honneur. Et on a été capable de se faire celui-là. Ok, parfait. Ici, il progresse. Donc on va essayer de déposer nos troupailles. Là, c'est quoi? C'est du canon sans recul, ici. Et ici, bah, il n'y a pas l'air d'avoir un grand mot au final. Pas de chance. Eux, est-ce qu'ils ont du swoo? Non. Et ceux derrière, là, la spider ici. On va poser notre tourelle. Bon, toi, récupère la tourelle. Le Sherman, il nous faudrait une zone dégagée éventuellement. On va le rapatrier par là. Pareil pour toi avec ton taux. Toi, t'as aussi de l'ATGM. Un ATGM ici serait propre, mais pour l'instant, c'est beaucoup trop engagé. Ils sont où, Plasma Pierre et compagnie? Ah, ils sont là. Attends, je me disais, ça y est, ils sont tous morts, mais non, c'est bon. Ça va, c'est pas non plus trop la douille. Non, sortez par là, vous. Toi, va poser ta tourelle, on a dit, toi, tu la récupères, le Sherman, il bouge. Là, ça va bouger. Ici, on a envoyé du renfort. Toi, t'as récupéré ton petit machin, donc ce serait pas mal d'aller le poser par là-bas. Ouais, ce serait pas mal d'aller le poser par là-bas. Même s'il y a du monde. C'est où qu'on a perdu du peuple? Ouais, ici on se prend les dégâts d'artillerie, donc on souffre un peu forcément. Là, on s'est un peu planqué. Ça serait bien d'avancer. On va se mettre à l'abri. Toi, t'es à l'abri, tu peux réparer. Là, on court au milieu de la pampa. Saxon, pour le moment, il a l'air d'être plutôt dans le calme. On va foutre toi là. On va peut-être récupérer un striker. Non, ça va niveau munitions. Eux, ils sont en train d'aller ici voir s'il y a du monde. Ce bâtiment-là, on va recharger Malboom. Et peut-être que vous pouvez y aller là. Essayez d'aller là-bas, d'atteindre ça si vous pouvez. Ok, le swoo est à terre ici, parfait. Ah non, c'était un autre. Ok, il y a deux swoo. Bon, là, il va leur falloir du renfort de toute façon. Parce qu'on est un petit peu trop dans le mal, mais niveau véhicule, c'est pas non plus la teuf. On va avancer un peu avec le Mvila. Ici, il y a lui qui nous emmerde, mais techniquement, on pourrait envoyer genre toi là. Viens par là, puis on va lâcher de l'infanterie derrière. Le Sherman, je lui ai demandé de venir là, je crois. Le Bradley, on va essayer d'éliminer le dernier SWO là, ça serait pas mal, je sais pas où il se planque le mec. Ça y est, c'est nettoyé, excellent. Excellent. C'est toi qui tire là? Potentiellement. Ici on a un MV avec une plateforme légère. Plateforme légère de type... De type canon perforant. Ok, très bien. C'est toi l'artillerie. Ok. Et toi, du coup, tu tires. Ouais, c'est toi qui tires sur les homoncules là. Parfait.
La plateforme légère, on va l'envoyer par là en fait. On va essayer de sécuriser cet endroit. Aller chercher les équipages d'artillerie. Ici, il faut qu'on continue d'avancer. Là, on y est rentré. Là, du coup, ils ont dû refaire le plein. Ils ont pas fait le plein, c'est pas instantané. Ça, c'est bon à savoir. Allez, il faut avancer. Parce qu'il y a l'artillerie qui tape, mais toi, t'es passé à l'abri d'un bâtiment. Vas-y, ici, on se soigne un peu. Excellent. Excellent. C'est ce qui nous a hidden from all those wirehead patrols. Time to stop hiding and start fighting. Your team ready to rejoin the war? We sure are. Be good to get some wirehead kills again. I'm bad running again. Alors du coup là on a trouvé des snipers, des vrais snipers, ok. Avec du snipe de base. Ça c'est quoi ça? C'est toujours l'araignée là qui fait chier. Alors on devrait pouvoir se la faire là, rassure-moi. Ouais là les. Waouh, la plasma pierre, ils se font allumer. Toi là, t'as pas possibilité de tirer sur ça, vas-y, allume-moi ça. Vous, vous êtes un peu loin, donc occupez-vous des homoncules plutôt. Pareil, la grenade frag, ça va faire le taf. Là, on peut pas trop avancer, hein. C'est encore un peu fermé. Ici, ça se nettoie. Ouh, y'a quoi là? Ah! Un aéronef HK. Ok. Nos ATGM anti-aériens, ils sont un peu loin du coup. Les gens sont genre là. Là et qui d'autre? Toi t'es où? Toi t'es pas si mal placé hein, en vrai. Il est en train de se préparer à tirer d'ailleurs on dirait. Excellent, ici est-ce qu'ils sont rechargés? Pas encore complètement. Excellent. Excellent, excellent. Ça c'est géré. Là l'artillerie qui tabasse un petit peu. Ici on va essayer de progresser avec notre petite escouade. Tranquillou bilou. Vous c'est pareil, essayez d'avancer jusque là. Là ils sont en train de réparer, donc pas de conduction en cours. Mais eux, je me demande si c'était pas des... C'est des nouveaux ceux-là, ils étaient peut-être dans le bâtiment. Ici, faut se débarrasser de ce truc-là. À un moment, toi, là. Ok, ça y est, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Parce que là, plasma pierre, il était un peu dans le mal. Du coup, où est notre véhicule qui était censé amener des renforts? Il s'est fait défoncer. Merde, il s'est peut-être fait défoncer. Il y avait deux mecs dedans. Ah non, oui, je l'ai envoyé par derrière. Ok, parfait. Donc, il est en train de faire des tours par derrière. C'est nickel. Toi, il faudrait que tu progresses jusqu'ici. Là, on est en train d'avancer jusqu'ici, mais c'est... Ici, ça m'ennuie parce que c'est un peu trop, comment dire, inconnu, quoi. Donc on va peut-être se calmer, aller jusqu'ici seulement. Toi, tu vas avancer un chouille. Est-ce qu'on a laissé des trucs derrière? Non, ça va. Ici on a beaucoup trop de monde, faudrait quand même qu'on avance un peu. Enfin on couvre aussi cette sortie là, c'est vrai. Ce bâtiment là il n'y a rien du coup, donc demi-tour, retournez là. Ici l'artillerie a terminé, donc on avance encore d'une petite, d'un petit bâtiment. Le sniper on va le laisser là. Il a quand même un plutôt bon potentiel sur les trucs qui pourraient se pointer. En avant. Vous, vous avez réparé. Allez, go. On avance. Ok, ça a l'air d'être un peu plus calme. On va essayer d'avancer jusqu'au point. Eh, ça a l'air plutôt calme ici. Excellent. Donc on va bien aller poser notre tourelle du coup. On va se déployer. Hop. Ça c'est quoi ça? Ça c'est la plateforme, ok, qui est aux fesses. On va envoyer une équipe d'ATGM parce qu'on n'a pas assez d'ATGM. Notre taux là, en avant. Ici du coup, on est arrivé. Il faut débarquer les gars. Vous allez là.
vous allez là. Non, même là plutôt. Il y a un taux qui tire là. Ok, il y a une plateforme de transport là. Joli, joli tir. Je sais pas qui c'était. C'était toi. Très joli tir. Répare. Répare. Là, on a du saut, de l'anti-aérien, c'est parfait. Ici, si on se positionne, on a une belle vision. Hein. Mais d'abord, nettoyer les zones. On va laisser Plasma Pierre se remettre un peu. D'autant qu'ils sont un peu dans le mal. Tire. J'aime pas quand ça tire de la grosse explosion comme ça là. Ouh, un petit Bradley. Un système d'artillerie lance-roquettes. Deux artilleries lance-roquettes. Ouh, joli ce ravite, ce petit convoi là. Si on peut récupérer ça, j'imagine que ça doit être pour ça qu'il y a le convoi d'artillerie qui était là du coup. Bon, ici du coup, on peut abandonner cette zone. Je pense. Enfin, on pourrait aller chercher l'artillerie. On a quoi là? On a un ATGM anti-air, du snipe de base, deux équipes d'anti-tank, un Bradley, un MV anti-tank, et là on a un petit peu de renfort d'infanterie. Si on se démerde bien, on pourrait être capable de gérer l'artillerie qui doit être posée par là du coup. Ça pourrait être jouable. En vrai, je pense que ça pourrait être jouable. Pas simple, mais jouable. On va déjà envoyer un peu d'éclaireur. Vous et vous. Alors ça, c'est du bâtiment totalement détruit. Donc vous allez rester là pour le moment. Vous aussi, du coup. Les Malboom, ils sont rechargés, ça y est. Yes. Sortez par là. On va caler un petit véhicule à plasma par ici, même si c'est pas oufissime. Et du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre comme endroit? On pourrait éventuellement se faufiler par là. Toi, tu vas aller par ici. Après, niveau munitions, ça devient problématique. Hein, un moment. Il y a un moment où ça picote un peu. Vous, on va vous envoyer là. On peut mettre combien? 78 personnes dans ce bâtiment. Ça devrait suffire. Ici, on a envoyé le taux pour soutenir. On est en train de rentrer dans la zone là. Cet endroit est totalement pas visible, ça m'embête un peu. Ah, c'est des saloperies de... Ça, c'est des saloperies de... Ouf, c'est quoi ça? Une transport armée, ok, très bien. Le toc arrive, ouh, il se fait dépouiller. Il y a quelque chose de gros qui roule par contre là. Ouh, le MV, il a souffert. Recule un peu. Il s'est pris un je ne sais quoi sur le côté. Là, on est en train de lâcher notre tourelle. Parfait, on va mettre l'autre. Tourne-toi. On n'avait pas un autre véhicule là qui aurait cramé un lance-grenade? Ah non, c'était lui. Ouais, c'était lui. Donc là, il y a quelque chose de gros qui a bougé, qui a fait tomber des panneaux au loin. Ici, ça tire. Là, il y a quoi? Ok, une Spider LRM, mais ils sont en train de nous atomiser à l'artillerie, donc on va... Ça, on peut se le faire avec le Bradley sans trop de problèmes, normalement. On va essayer de se mettre par ici. Là, on a quoi? Des canons automoteurs M109. Putain, il y a tellement de trucs. C'est de la compétence de char, ça. On va manquer de compétence de char, je pense. Un peu comme à chaque fois. Je vous ai envoyé par là. Ok, très bien. Là, on a du transport blindé. Putain, si jamais on arrive à nettoyer la zone et qu'on a le temps de looter, ça va vraiment être la fête du slip. Hein. On va se faire méga plaise. Mais alors, méga plaise. Vous pouvez peut-être courir jusqu'ici. Le Sherman, non. Là, il nous reste un taux. Là, on a de la grenade frag. Récupère ça, toi. On va essayer d'avancer jusqu'ici. Ouais, non, l'artillerie, elle est en train de se replier de fou. Où est-ce qu'il tire? Ok.
Ça va. Ici, magnifique tir d'un Malboom. Bon, bah, par contre, il y a un tir perdu qui a explosé le canon automoteur là. Ouf. Alors, eux, s'ils montent sur le toit, ils vont se faire défoncer. Mais pour l'instant, ça va. Alors là, on a quoi du coup? Une plateforme d'appui de feu et une spider. Ok. Ouh, on s'est pris un méchant tir là. Ouh la vache! Ah oui! Ok, au sol. Toi, t'es pas capable d'allumer ça. Non, t'es trop loin, il faut qu'on avance. Peut-être que eux vont pouvoir se le faire. Ouais, eux, ils peuvent se le faire. Ouais. Je sais pas pourquoi vous êtes pas déployé déjà, mais vous repliez-vous. Essayez de rester en vie. Ok, eux, ils sont ressortis. Ça, c'est quoi ça? Ok, ça, c'est l'hélicoptère Black Hawk. Eux, ils sont de retour, un transport blindé, des tireurs d'élite, escouade d'infanterie, un M-Vito. Oh putain, un M-Vito. Sale bête. Très très sale bête. Ah, ils m'ont... Putain. Ils m'ont fumé mon moteur. Ok, là, faut me défoncer ça en priorité. Alors là, ils sont en flamme. Foutez-moi ça. Eux, ils sont du mauvais côté. Démontez-moi ces connards. Moteur endommagé. Oh putain, le taux. Ok, on peut peut-être balancer un petit fumigène là. Ok, ça c'est excellent. Il est en feu. Parfait, donc là du coup, eux, ils vont rester tranquillement au sol. Bon, ok, reculez-vous. Ça sert à rien d'y aller à 40 non plus. Par contre, toi, faut qu'on te recule, toi. Va falloir qu'on te récupère. Bah tiens, bah, dès que ce MV est retapé, on s'arrache. Il nous faudra une autre unité là, en fait. Peut-être une milice. Ah, là, on a perdu du monde. Ouais, parce que du coup, on vient de prendre la place dans le bâtiment, mais il y a du peuple. On va poser notre tourelle par là. Eux, ils sont en train de se replier. Vous, ce serait bien que vous avanciez jusque là. Vous aurez une très belle vision. Vous, si vous pouviez ramper jusque là pour qu'on commence éventuellement à aller prendre un peu cette zone. On va tenter d'avancer avec eux. Là, les snipers, c'est bizarre, ils se soignent pas parce que ça fait quand même un moment qu'ils sont endommagés là. Ici pareil, on va essayer d'avancer par là. Il nous reste quoi du coup derrière? Là on a une escouade d'infanterie. On a le Bradley là, qui pourrait réparer depuis le temps qu'il est là. Là on a le véhicule TOW qui va avancer jusqu'ici. Vous c'est pareil, avancez jusqu'à ce bâtiment. Là, vous il faudrait que vous avanciez potentiellement un petit peu. Vous pareil, on va inverser les positions. Là, ça y est, ils se mettent en position, eux. Ah, ils se font allumer par quoi? C'était un saut, ça. Ah, il reste le mec avec son saut, quoi. Ah, et ça, c'est le minigun, ça. C'est brouillard, c'est le minigun. Je pensais que c'était le canon sans recul, mais c'est le minigun. Par contre... Oh! Coucou! Command sent you? We thought they'd forgotten about us. They had. Good to see you're still here. Glad someone found us. So what's the plan? You're rocket troops, right? We could sure use that kind of firepower against their base. We can do that. Be good to start hitting back at the wireheads again. Amen to that. Ok, donc là c'est vraiment les squads, sauf que du coup ils sont à poil face à eux. Ah, c'est vraiment pas cool. Go, essaye de trouver un angle, toi. Vous. Essayez aussi, on va essayer de trouver moyen de les allumer. Ok, excellent. Je sais pas qui c'est qui a tiré, mais c'était toi peut-être. Ouais, c'était toi, parfait. En avant. En avant. Eux, ils étaient en train de se déployer, donc on va aller les poser par là plutôt. L'autre enfoiré, il est géré. On va pouvoir essayer de se soigner. On est quasiment arrivé à Sanctuaire. Ici, à quoi? Une spider anti-aérien.
Là, on fait un combat de bâtiment, mais on n'a pas vraiment ce qu'il faut. Ici, ça brûle toujours, merde. Toi, tu peux pas prendre de... Non, vous pouvez... Là, ça, c'est un MV. Non, c'est un transport. Pas cool. Pas cool. Toi, tu continues de couvrir un peu, mais je pense que tu vas devenir inutile dans pas longtemps. Bon, ici. Bradley. Tac, tac, tac. Et on va voir ce qu'il nous reste. Ouais, parce que eux, ils se font allumer. Meute de loup, les mecs dans la... Dans la pampa, là. Ici, on a dit qu'on pouvait tenter d'avancer. Vous, vous avez un tir sur cela? Non, vous n'avez pas de tir sur cela. Et ça, c'est du bâtiment tout pété. Donc ça ne sert à rien. Il faudrait qu'on avance, du coup, là. Éventuellement qu'on traverse. Ouais, ça fait chier de traverser. Je le sens pas de traverser ici, là. Je sais pourquoi. Alors, remarque, on a quasiment fait la jonction ici, hein. Si on pouvait aller récupérer ces trucs-là, il y a du carburant, là. Là, il y a une enfoirée de spider hyper loin, donc on peut rien y faire. Il faudrait qu'on avance nos ATGM, genre, jusqu'ici. Là, ils vont souffrir. Oula, artillerie lance-roquette. Système d'artillerie lance-roquette à grande mobilité est une arme très puissante sur le champ de bataille, mais son utilisation diffère de celle de l'artillerie habituelle. Pour faire tirer le HIMARS sur vos ennemis, vous devez le sélectionner et cliquer sur le bouton d'ordre « Attaquer » avec toutes les armes, puis cliquer avec le bouton gauche de la souris sur le point du sol que vous voulez anéantir. Veuillez noter que les HIMARS ont une très grande portée maximale de tir, mais aussi une portée minimale de tir importante. Ils ne peuvent pas tirer dans un rayon minimum. Ah oui, effectivement, ils peuvent courir la map, quoi. Ok, très bien. Je me demande si on n'avait pas déjà eu ce truc. Donc ça veut dire que là, techniquement... Prochain coup que ça nous dit, tiens, ils sont par là, on pourrait envisager de les allumer. Pourquoi un? Ah oui, non, parce qu'ils sont, les autres sont en train d'arriver. Ok, le Bradley, là, il est équipé d'un taux, excellent. On va couvrir, du coup, avec ça. Là, on va poser eux ici. On va reprendre nos tourelles, je pense. Pour avancer un peu. Vous, du coup, il n'y a pas d'autres trucs que vous pourriez prendre ici. Là, on va tenir la zone en attendant d'éventuellement avancer. Là, faut qu'on se débarrasse de cette sale bête. Alors, ça y est, on voit l'artillerie, elle est là. Du coup, ici. Non. Ouais, ici. En gros, ici. Alors, c'est dommage de ne pas avoir de vision. J'aimerais bien avoir une vision, mais on ne peut pas tout avoir pour le moment. On fait avec ce qu'on a. C'est quoi qui est resté ici? Ah oui, c'est le... La petite artillerie. Très bien. Donc là, du coup, ça, c'est retapé. Rentrez-moi là-dedans. Ah, mais c'est un... Merde, c'est un transport blindé. On n'a plus de MV ici, là, capable de tirer ça. Ah, fais chier. Toi. Récupère-moi ça, on va l'éloigner. Enfin, ils peuvent pas bouger, mais au moins ils peuvent tirer. Donc là, il est en train de se déployer. Il a tiré déjà? Non, il a pas tiré encore. Ah oui! Putain, c'est... Ah, ici, il faut qu'on recule, hein. Et toi, essaye d'avancer un peu pour soutenir. Pareil pour toi. Parce que là, ça fait trop mal. Et du coup... Ah, ils sont partout, quoi. Elles se déplacent, ces saloperies. C'est un enfer, quoi. Toi, t'es censé pouvoir allumer ce genre de truc. Il faut que tu te bouges le cul. Parce que là, on se fait beaucoup trop malmener à mon goût. On a d'autres véhicules dans le coin, normalement. Ils sont où, nos véhicules de renfort? Ah oui, c'est, je les ai envoyés là, du coup. Ok, bon bah du coup, on va essayer de faire différemment. On va essayer de prendre cette zone. Donc vous, arrivez par là. Vous, go par ici. Toi, pareil. Go par là, planqué derrière le bâtiment.
Ouh, l'artillerie là. Ok, on a un ATGM, ça y est, en place. Excellent. Ça calme. Bon, toi recule. Parce que t'es un peu mal barré là. On a raté notre tir avec la... Mais ils sont en train de revenir vers nous là, visiblement. En attendant, on va réparer. On va réparer. Alors là, du coup, on est combat. On est plein là. Ok, réparez-moi ce bordel là. Où est-ce qu'on pourrait se poser en défense? On n'est pas si mal hein, sur ce bâtiment là. Éventuellement ici. Toi, t'as récupéré l'artillerie. Ok, parfait. Va la déposer là. Ce sera très bien. C'est un peu plus loin de Saxon et de ses rigolos. Pas trop mal ici. On va se redéployer par là. Le tout, il va rester un peu à l'arrière. On va garder des ATGM en renfort. On va aller poser une tourelle là. Une tourelle, je pense. Ici. Et donc toi, t'as récupéré la petite tourelle aussi. On va aller la poser par là. Pour être couvert par ce bâtiment, si un truc arrive ici. Et là, s'il y a des unités légères qui sortent des bâtiments, on les allume. Cette unité-là ne se soigne pas. À l'astre, il bug là. Il veut pas se soigner. Ok, des marquages sur le mur ici, très bien. Là, ça y est, on arrive à les défoncer ou comment ça se passe là? Visiblement, ils sont énervés les mecs. Hein. Ah, l'artillerie est en train de se barrer par là, quoi. Il faudrait que t'avances jusqu'ici. Et là, j'ai bien envie d'envoyer eux. Sortez là. On a de quoi balancer un peu de fumigène avec quelqu'un. Alors, vas-y, toi. Ouais, non, c'est pas le bon angle ça. Ok, bon, bah, vous, balancez un fumigène par là. Et après, vous allez me lancer un assaut sur ce bâtiment là. Un peu trop casse-couille, hein. Putain, par contre on se fait allumer la tronche. Il y a un véhicule, c'est quoi? Encore une spider en anti-aérien, ça va. Est-ce qu'on est à portée? On est à portée. Alors, on a l'artillerie? Non, on n'a pas l'artillerie encore. On commence à les voir, mais c'est pas tout à fait ça encore. Putain, l'assaut là, on court en plein dans la pompa. C'est tendu. Qu'est-ce qui se passe? Fouillez le bâtiment. Établissez le contact. Fouillez le bâtiment. Ok. On va fouiller le bâtiment, pas de problème. Là, il y a du monde qui arrive. Ça, c'est un striker, c'est pas gênant. Là, il y a de l'homoncule. On va les allumer. On commence à resserrer le goulot d'étranglement sur leur artillerie, effectivement. Vous arrivez à vous remettre, non, ils ont plus rien dans leur pied. Ils sont bien défendus avec leur petit R15 quand même. Hein. Là on a réussi à se faire l'araignée, non? Lui il est en train de se poser. Si elle, la TGM est en vol, excellent. Parfait. Le bâtiment est pris, on va progresser jusqu'au suivant. On pourrait porter ça, non là il faut vraiment des conducteurs de char. Là, toi tu répares. Là, on va donner un petit coup d'œil par ici, si on peut. Là, on a un nouveau Bradley. Encore une araignée qui arrive. Une araignée anti-char. Ça va piquer ça. Ouais. Ils se font défoncer. Ils sont en train de revenir vers nous là. Hein. Ils savent plus trop où se mettre avec leur artillerie, visiblement. Normalement, ils vont arriver à court de munitions de nouveau. Là, est-ce qu'on a réussi à se les faire? Il reste un homoncule, donc on va prendre le risque d'envoyer toi par là. Avancer un peu avec le Bradley. Le camion de ravitaillement. Avancer un peu avec notre autre Bradley aussi, tant qu'à faire. Pareil, toi tu vas aller jusqu'ici. Toi, t'es mitrailleuse, tu vas aller te mettre dans l'angle mort. Là, on a posé notre artillerie, on va pouvoir aller mettre notre voiture.
juste en dessous là, avec son minigun. Espérant qu'il n'y a pas un gros machin qui va arriver par là. Donc il nous reste du pilote. Mais clairement pour le moment, on n'a pas encore ce qu'il faut. Alors là du coup, en termes de munitions. Je pense que c'est là-bas que ça doit devenir problématique. Hein. Ouais, le Bradley, on l'avait désactivé ses taux. On va peut-être les réactiver quand même, parce que c'est un peu le bordel là. Là il nous reste un ATGM, les sous ça va. C'est pas si pire en vrai. Franchement, c'est pas si pire. Dommage, ce bâtiment est pété, éventuellement celui-là, mais c'est trop agressif pour le moment. Vous pouvez ramasser un truc là. Ouais, go pour prendre un petit M90. On dirait qu'il en a déjà un. On va voir s'il l'échange. Ici, l'ennemi est éliminé. Mais il y en a d'autres qui arrivent. Oula, c'est quoi ça? Putain, un tank. Oula là 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 là, c'est le pauvre homme vil qui va se faire défoncer le cul. On a déjà ce qu'il faut qui est en train de voler. Hey guys, ready to rejoindre la guerre? Is it safe out there now? Hell no. World's full of machines that would have killed us. Tell me about it. They came at us out of nowhere. No warning. It's like they just dropped down out of the sky. Probably exactly what they did. Deployed out of an aerial HK. Damn wireheads are learning all the time. I reckon they priority targeted us after we destroyed their screening dome. Screening dome? We landed hits on the building with the ventilation shaft to that factory they got underground. There was a metallic dome covering it. Some kind of signal screen cover. When we destroyed it, the wireheads went crazy. Started attacking all our nearby units, then us. Those guns still got ammo? Oh yeah, plenty. Good. Then remand your guns and give us supporting fire. Ok, là, un ATGM, ça devrait pas suffire, mais on a quand même réussi à toucher là où ça fait mal. Parfait, allumez ça. Toi, t'as un angle. Ah, on est trop loin, dommage. Toi, tu peux pas tirer, bah oui, parce que t'as plus de munitions. Là, on est en train de recharger le taux. Toi, c'est pareil, faut qu'on s'y mette. Bon, là, le véhicule, je pense qu'il est mort. On va essayer de l'abandonner. Là, ça pue du fion, par contre. Saloperie anti-char, là. Qui est très très bien placé. Est en train d'essayer de nous contourner avec un succès plus que probable. On va devoir exposer le Bradley. Signal emissions are pouring out of it. Ah putain. Saloperie. Ok, c'est géré. Là on a mangé. Il va falloir se replier. Vas-y, recule de nouveau derrière toi. Vous réparez. Du coup ici les mecs ils sont partis où? Ah non, ils sont alliés, d'accord, ok. On peut pas les diriger, très bien. Ils ont pris le canon automoteur. Ils vont prendre l'autre canon automoteur, j'imagine. Là, il y a du marqueur également. Fantastique, on va envoyer notre petite infanterie. Ici, on a mangé chaud. Toi, tu vas avancer. J'aimerais bien envoyer eux et eux là-bas. Ici, le char. Il est explosé, ok. Et notre Humvee est mort. Notre Humvee est mort, mais notre équipe de conduite a survécu, donc on va la poser dans un bâtiment en attendant. Là, on va reculer un peu. Parce que eux, ils ont du SWO. C'est pas cool. On est beaucoup trop près. On va reculer avec eux également. Genre loin. Et du coup on va arrêter l'épisode là surtout parce qu'il est suffisamment long, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite, ciao ciao tout le monde.